Alors là, nous sommes à l'extérieur. C'est assez rare de venir ici sur Equipe Auto et d'être à l'extérieur. Mais je suis avec Franck qui va nous expliquer ce qui se passe. On est un peu sur le stand de Sika, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on est sur le stand de Sika et nous sommes en train de démontrer les performances de notre nouveau produit qui est donc le Sika Tac Elite. Donc c'est une nouvelle colve pare-brise très, très performante et nous sommes en train de soulever un véhicule dont le pare-brise vient d'être collé il y a seulement une heure. Donc c'est un véhicule qui pèse 1,2 tonne, c'est une 206 SW, donc regardez, c'est assez impressionnant ce qu'on est en train de voir. Voilà, donc ça y est, elle est partie et la voilà, elle a décollé. Donc depuis simplement une heure de collage, le véhicule décolle et uniquement par la résistance de la colle qui vient d'être posée. D'accord, oui, c'est vrai que c'est très très impressionnant. Il y a beaucoup de monde autour de nous, c'est vraiment un événement ici au sein d'Equipe Auto de voir cette colle. Alors comment ça se fait qu'elle est résistante comme ça, cette colle ? Elle a un processus breveté par Sika où on vient accélérer en fait le phénomène de séchage pour faire court. Et ce phénomène permet d'incorporer de l'humidité dans le vitrage, dans la colle, excusez-moi. Et en incorporant de l'humidité dans la colle, on accélère son processus de séchage et ça nous permet de réaliser cette performance. Et de montrer que ça tient très bien. Donc il y a aussi un dispositif qui a quand même été mis sur le pare-brise pour pouvoir la soulever comme ça. Tout à fait. Au préalable, à l'extérieur du pare-brise, on est venu coller un cadre métallique pour pouvoir avoir l'accroche, pour pouvoir installer la grue en fait sur le pare-brise. Alors, il n'y a pas besoin de la soulever à 20 mètres de haut, hein ? Non, non, vous voyez, elle est soulevée à peu près à un petit mètre, là. En plus, on a un petit peu de vent aujourd'hui, donc on veut quand même limiter le risque de balance. Mais l'essentiel étant de prouver que le véhicule est soulevé et qu'il tient que par la colle. Ok, merci Franck pour toutes ces explications. Comme vous le voyez, c'est quand même très impressionnant. Donc c'est un véhicule qui est soulevé par une grue qui a été amenée spécialement pour soulever cette 206 qui pèse quand même 1,2 tonnes, hein, rien que sur son pare-brise. Moi je trouve ça très impressionnant. Donc pour vanter les mérites de cette colle, bah, rien de mieux qu'une belle démonstration. Tout à fait, là on est dans le réel. Hein, y a pas de triche, le pare-brise a été collé devant tout le monde et on lève le véhicule une heure après devant tout le monde. Et il y aura encore une démonstration qui va se passer demain? Non, il y a juste non, une seule. Non, c'était hier. Hier et aujourd'hui, on a fait deux démonstrations. Ah bah oui, je confonds les dates, je ne sais plus quel jour on est. Ben, c'est pas grave, en tout cas, on a eu cette chance d'assister à ce levage de ce véhicule. Merci infiniment, Franck. Et puis nous, on va continuer notre petit tour ici sur Equipe Auto pour rencontrer d'autres personnes formidables comme Franck et de voir des choses aussi exceptionnelles. À tout à l'heure.